C'est quoi? La page Resh Gimel, ok? Yudbet, Alakha Yudbet, Mutal, Ashkenazim, Nepel, Mifta Sfaradi. Lechen, Asa, Maase, Agaon, Rabbi Nathan Adler, Zechonaz, Livracha, Rabosh, Agaon, Khatam Sofer, שהזמין אליו את הגאון רבי חיים מודעי זצ"ל, בעל שול חיים לעולם, כדי שילמד אותו את המבטא ואת ההיגוי הספרדי, שהוא יותר נכון ומדויק מהמבטא האשכנזי. ולכן אשכנזי שחונך מימי ילדותו בישיבה ספרדית, וכבר הורגל להתפלל במבטא ספרדי, ונוצר לשנות מהרגלו, ומורה לא יעלה על ראשו במה שהוא משנה ממנהג אבותיו, שכבר נתבהר שבכל היוצא בזה אין לחוש משום אל תיטוש תורת אמך, אלא ימשיך לברר, לברך ולהתבטא ולהתפלל במבטא ספרדי. על היהודי לא רב, זה מותר דז' אשכנז, על אשכנז לוי יפה פריה סלון ולונגז' ספרד. אנסי עושי לפה רבי נתן אדר, זה יכול לעשות את הברכה. לא רב יוחתם סופר, שטיין אשכנז. נתן. מה? רבי נתן. רבי נתן אדלר. כמו שהוא עשית יונתן אמר. אוי. יאי יונתן עושי? לא, יפה, יש את רבי נתן אדלר. רבו לא רב יוחתם סופר. ולוי קהילה אביתה שלוי, לגאון רבי חיים מודעי זצ"ל. ויקילה הקריא לו ליב, לרשות שאלות ותשובות החיים לעולם, פוקוי להביטה, פוקוי לנסן ללונגאז' אלא פסון בפרונוסציון ספרד. פוקוי? אז כאילו זה פלי ג'וסט, פלי קורקט, כאילו פרונוסציון ללונגאז' אשכנז. זה פרוסולן אשכנז, כלבי depuis sa jeunesse, il était dans un sefa, c'est très rare, hein? Depuis sa jeunesse, qu'il était dans un yeshiva séparade. En général, on trouve l'inverse, que c'est les séparades qui sont dans les yeshiva ashkenaz. Mais si ce séparade, lui, ce ashkenaz, lui, il est dans la yeshiva de la séparade, et notre sarir, puisque maintenant il a le langage des séfarades, il n'a pas besoin de changer son langage. Okay. Pourquoi? Parce que c'est que dit Bayer, c'est Bechol, c'est basé, elle la houche. Parce que dans ce domaine-là, on ne craint pas Mishum Lotitosh Turat Imecha. On parle des Minagim, fait les Minagim des Ashkenaz, mais les Minagim au niveau de prière, ça, c'est d'après le Harizal qui nous a dit comment prier. Ça, comment aussi la chône du higouï, du langage. Il n'y a pas Mishum Lotitosh Torah Timecha. C'est pour cela qu'il peut continuer et de prier selon les séparats. Echad mi yotze Ashkenaz shalal eret Yisrael. Ou bashpahad chacham sfaradi chaza b'tshuva. Limdot Torah ve'alacha. Limshir b'tshuva al pi menagi ha-sfaradim. Umliv ta'am. בתפילה ובקריאת תורה, והוריו שהיו תושבי אשכנז לא שמעו תורה ומצוות. מותר לו להמשיך בתפילתו, ובתפילות ומנהגי הספרדים, להקל ולהחמיר, ואינו צריך להמשיך במסורת אבותיו, ולנהוג כמנהגי אשכנזי. פה ביאן קומפחון צאת הלכה. L'Halakha, elle nous dit qu'on parle ici d'un Ashkenaz qui est venu en Eretz Israël. Ce n'est pas un Ashkenaz qui est resté en France, mais c'est un Ashkenaz qui est venu en Eretz Israël. Et Baruch Hashem, il fait tshuva avec un séparat, avec un rav séparat. Et il a enseigné la Torah, l'Halakha, il a continué à étudier chez les séparats et de prononcer la prononciation séparade. Et ses parents, ils n'étaient pas Shomrei Torah Mitzvot, Ashkenaz, ils ne sont pas Shomrei Torah Mitzvot.
Alors c'est muta lui de continuer dans cette fila du minagia séfarad. Ben laquelle, ben l'ahmir, même si maintenant il va être rigoureux ou moins rigoureux. Comme les séfarad, il n'a pas besoin de continuer les minagim des chasses des séfarad parce que sauf ses parents, un, ils ont quitté la Torah. Et deux, il y a aussi Marad et Atra, il y a en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est Marad et Atra, il y a Machloket même chez les Ashkenaz. Puisque le bonhomme est Ashkenaz, il est en Eretz Israël, il doit recevoir sur lui les minagim des séfarad après Marad et Shumalaur. Pourquoi? Mais je Marad et Atra, mais c'est Marad d'Eretz Israël, c'est Marad et Shumalaur, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est lui le Marad et Atra. C'est pour cela, tout le monde. Il doit faire comme Marad de Atra. C'est pour ça qu'il y a eu des discussions. Pourquoi le Gra, le Gon, n'allait pas venir en Eretz Israël? Parce qu'il était dans ce safek là. Est-ce qu'il doit maintenant venir et faire échanger ses minagim selon Marad de Atra ou non? Aragil est allé de Nosar Sfardi, va vivre Sivaru, Nishanot et Filato, de Nosar Sfard. Et c'est un Nishmo Alo. Si maintenant le bonhomme, lui, il est habitué de prier comme les séparades, et son père il a dit non, change, il fait comme le langage des Sfard. Sfard, c'est pas Sfaradi, c'est d'autres misrach. Sfard, c'est espagnol? Non, c'est Lubavitch. Non, c'est pas Lubavitch. En général, c'est les sidouris de Chassidim, exactement. Chassidim, Breslev, Chassidim. Mais c'est que la Chassidim, tu as des millions de Chassidim. En général, Kol Rov HaChassidut, il prie sur le Sidur Sfar. Nous, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de choses qui changent, non, même dans le Nusar de la Tfila. Mais c'est pareil. Ça va savoir que le Arizal, il a transmis la Torah de la Kabbalah à son élève, Rabbi Haïm Vital. Qui c'est celui-là? Rabbi Haïm Vital. Non. Qui l'a transmis? C'est le Arizal. Et le Arizal, lui, quand il a transmis, il a dit, rien que Rabbi Haïm Vital, lui, il peut transmettre Torah ta Kabbalah. Même que lui, il avait d'autres élèves, ça s'appelle Rouvé Ari. Il a reçu de qui le Arizal. Le Arizal, il a reçu de Mir Shamay. Non. Il a reçu de son professeur, je t'en ai lu. Aussi. Je t'en ai lu. Aussi. Mais son professeur, il est né. La première fois qu'il est arrivé à Maïr, il vient du Maroc. Mais excusez-moi. Comment? Tu l'as lu. Je t'en ai lu. On est reparti. On n'est pas reparti, non. Si on va apprendre quelque chose, on va apprendre les vraies choses. Le Arizal, son maître, comment il s'appelle son maître? Dis-moi son maître. Tu le connais, Cordobero? C'est ça. Moshe Cordobero. Oui, il est mérite, c'est lui qui a donné la Kabbalah à Arizal, et il est mérite la première fois que le Sefer, il vient de la vallée du Drac qui est au Maroc. Stop. De quoi? Qu'est-ce que c'est? Un mec à Drac. Je ne veux pas Kabbalah, le Zohar. Non. Kabbalah, c'est Zohar. La Kabbalah, c'est Kabbalah. Lui, Moshe. Zohar, c'est le Kabbalah. Hein? Zohar, c'est le Kabbalah. Zohar, c'est Kabbalah. Mais c'est la Kabbalah, c'est le pirouche sur le Zohar. Top, c'est machin après. C'est le pirouche. La Kabbalah, t'as pas qui pourrait chez Marcha. C'est la Kabbalah. Le Zahai. Comment? Qui était le maître du Arizal? Moshe Cordobero. Non, mais le Arizal. Moshe Cordobero. Mais le Arizal, lui aussi, nous a transmis. Pareil, parce que c'était les. C'est le Zohar. Qui va le meilleur? Qui va le Torah? C'est pas des Ashkenaz. Torah. Comment t'auras mis Shinaï? Je t'ai montré. Faut bien comprendre. Top. Azakobo. Ah non. Faut pas perdre les pédales. Non, on perd pas.